peinture au passage. Les gens se tapent dans le bordel. Justine, y penser, Fossoyeur. On est dans la file d'attente d'aventure, ça va être long. On meurt de chaud ici. Arrête. Comment arrête. Vous sentez, mademoiselle? Je la hype. C'est un choc. Je vais rencontrer ceux qui m'ont poussé à faire de la bande dessinée. Je suis heureuse. Alors, rappelons ce qui s'est passé, coupure. Ce qui s'est passé, c'est que Seb vient de m'envoyer un message privé sur Twitter pour me demander qu'on passe devant. Ce que j'ai demandé. Ah, que Crane l'avait déjà fait avant. Crane l'avait déjà fait avant, j'ai demandé au staff, ce n'est pas possible, mais on va sûrement être dans les premiers. Et je trouve vraiment que là, l'équipe est adorable. Non mais Maillard il a fait un échec critique sur son arrivée, hein, c'est pas possible. La bière demain, ça commence demain. Il y a 17 minutes, une magnifique photo des montagnes. Ah oui, je sais. Bonjour tout le monde déjà. Bonjour. Donc voilà ce qui va se passer. Alors le truc hier, on faisait un système de tea time en fait, on était par petits groupes de 20 et on faisait des espèces de mini conférences où les gens passaient en même temps, c'était à la cool. Là comme vous êtes pas mal nombreux, qu'on a beaucoup de retard, que Bob est pas encore arrivé parce qu'il est en conférence et que comme on est plus nombreux parce qu'on est 4 du coup, on fait passer de manière classique. Donc en fait on va faire banc par banc. Donc vous venez le premier banc, donc on va dire comme ça, de gauche à droite. Hein. Et puis vous passez. Ceux qui sont au milieu, ils passent. Tu te démerdes. C'est vrai, retourne au fond. C'est pas bien, vous êtes au milieu. Si vous voulez nous jeter votre argent de Suisse. Est-ce qu'il y a des vrais Suisses? Ouais. Est-ce qu'il y a des Français pauvres? Ça va bien la crise? Manuel Valls, tout ça, c'est ça. Qu'est-ce que t'as dit? Tu vois, elle commence à rire, mais tu sens la panique dans son rire. J'ai oublié d'aller. Il y a de la qualité. Je veux repartir avec. Ça a tout donné avec moi, le repartir. Il y a de la qualité dans ce là. C'est magnifique. Une chaussette. Seulement quand j'ai un costume dedans. Hein? Seulement quand j'ai un costume dedans. D'accord. Parfait. Je suis son assistant. C'est une bombe! Alors on va! C'est pour Bob. Je sais pas si tweet. Avec un peu de. Il y a eu clairement. Ah, c'est toi le Wenza? Oui, c'est elle. D'accord. Elle reste du groupe. Ça me connaît, je suis la voix derrière. La voix derrière le Wenza? Ouais. Dans les covers. Ah oui, d'accord, ok. Parce que moi, le Wenza, c'est du papier donc. D'accord. Je suis la voix derrière le papier. Tu l'as fait imprimer, putain? Finalement, les sites d'albums sauf photo, ça sert pas à rien. C'est toute la saison? Non, c'est pas toute la saison. C'est jusqu'à l'épisode 5 de la saison 1. C'est tout, tu sais. On lui répète assez souvent ça. J'ai pris 6 mois à la fête. Bah ouais. Je t'en prie. T'as le droit de dire que tu l'emmerdes. Maillard, il est bien. Je le trouve beaucoup plus jeune là-dessus. Il est vachement plus classe encore. Ouais. Maillard, c'est ça. La vérité. Non, parce que regarde ses sourcils, me dis pas. Ils y sont pas là. Écoutez la jalousie d'un homme. Voilà.
Elle a marqué derrière, c'est qu'on ne peut pas la mettre en bas. Elle a quand même précisé. Non, ça fait un peu trop, je pense. Déjà beaucoup de marche sur la vie. Jadis, c'était une personne qui est énorme. Oui, il y a encore beaucoup moins cher, donc les gens, ils vont prendre le reste. C'est Wenza. C'est de lui dessiner. Ces nouveaux explorateurs gagnent en puissance. Ah, mais il y a nous, nous en nous. Jusqu'au jour où les trésors terrestres se faisaient au plus grand pillage. J'ai pour Bob aussi, mais vu qu'il n'est pas là, je crois que. Ouais, il va venir après. Je crois que je vous l'avais. Bah, sinon, t'attends qu'il arrive, tu peux rester là jusqu'à ce qu'il arrive. C'est gentil, merci. C'est cool, c'est franchement, ça. C'est un cadeau. Oui. Non, je vais voir. Non, on paye. C'est adorable. Oh, ce t-shirt, j'ai même pas remarqué. Magnifique t-shirt. Alors, est-ce que je peux t'offrir un. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Je voulais savoir si t'étais rouge ou pas. Ah bah, oui, volontiers. Tu l'as dessiné, le poster? Oui, bah c'est, j'étais plus droit d'avant, t'as vu? C'est un poster, il y a 60 kilos d'humour en plus. Ouais, c'était mieux avant. Et de sympathie. Alors, un Wenza, je sais qu'il y a un tréma, mais il est où? Sur le A. Pas un tréma, c'est un axe. Action. Là, sur le A. Je vais donner ça. Ah mon dieu. C'est la fiche là. Ah, c'est trop cool. Attends, on va faire un cri. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Ce cri de pillard. Bon, du calme et ta sérénité. Alors j'essaye de lire à l'envers sur le chat, c'est pas facile. Pour ton soutien. On est tellement tous bougés, alors c'est tellement des beaux yeux et ton sourire. Merci beaucoup. Non, mais il y a ton échec critique avec elle. Ah non, mais c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. On part deux alors. On part deux déjà. J'ai salve. Non, l'autre. Bon, ah oui, avec ma petite caméraman. Exact. Oui, merci. De rien. Sony. Tout ça, ça va finir sur YouTube. Sur la chaîne du monde. Sur la chaîne. Sur la mienne. Ah, mais c'est cool. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour plaisir, merci beaucoup. Quand tu es comme ça, dans le chat, on va lui dire coucou. Merci beaucoup. Bonjour. Ah, merci à vous. C'est quoi le téléphone? Ce cadeau de ouf. Ce cadeau de ouf. Ah, ça va. Ah oui, il y a. Ce petit dessin, il y a une petite carte. Anaïs, qui a donc tu l'as pour ton gars? Ah là là, je te pleure moi de l'échec. Mais si, il le voit. Pardon, c'est magnifique, c'est un magnifique cadeau. Exactement. Plusieurs aussi. Exactement. Vous allez pouvoir voir les fameuses. Je regarde même pas l'écran. Merci beaucoup. Il y a plein de coucous sur la terre. C'est la sœur de Bob. Merci. Coucou à vous. Je suis adorable. Pour une fois que je ne suis pas avec vous. Je vais devenir un super nom de mon livre. Merci beaucoup. Et j'oserais... À quel nom? Best of the... J'oserais vous faire signer la mienne. Ah non, par contre, je veux bien qu'ils nous fassent des cadeaux, par contre, de là à te faire plaisir, ouais. Je trouve pas ça super. Mais bien sûr, évidemment. Celle-là, c'est la première que j'ai faite, je l'ai montrée à des profs. Je change d'angle. Tu changes d'angle. En fait, ma prof, elle a ouvert le livre. La première chose qu'elle a vue, c'est comment veux-tu mourir. Ah, mais d'ailleurs, est-ce que tu as mis. Est-ce que tu as mis qui prend tu. Oui. La première vraie réplique. Et oui, gratuite. Elle est parfaite. C'est non. Comment veux-tu mourir, il mais c'est pas la vraie aventure. Il n'y a pas qui prend tu. Je sais pas. Voilà, ça a été censuré. C'est encore M6 qui est derrière. C'est ça qui nous fait une œuvre d'art. Ah, c'est magnifique. Wow. Une boucle comme ça en forme de. T'as vu, ici sur le dessin, on dirait qu'il a l'air sympa, qu'il t'écoute. C'est ça. En fait, non, il est complètement... Et un certain Maillard qui passe par là, hein, et qui le fait uriner un peu partout. Ouais, ça va, on a le temps de lire le chat pour l'instant, ça passe doucement, majoritairement parce que Seb met 20 ans à faire ses dédicaces. C'est ça. Il est concentré, regardez comme il est concentré, limite il va tirer la langue dans 2 secondes. Est-ce que je suis là pour voter pour la concurrence aussi parce que. Donc Lennon a besoin d'argent. Pour payer son château. Ah oui, l'argent.
parce que le next ne rapporte pas assez d'argent. Je pense que c'est passe pas de problème. Paye 3. Une fois, merci. C'est des places. L'animateur de Wimbledon, ça se voit à son C'était méchant. La méchanceté d'un homme. J'ai fait une pomme, j'ai envie de travailler. C'est magnifique. Je vous fais suivre à mon ami. Je me fais détrôner. On n'y est pas encore. Ah mais tu dessines carrément un petit chien tout ça. Ouais, et t'as vu, j'ai fait une la merde. Non, c'est pas incroyable. Non, c'est pas incroyable. Merci beaucoup. Elsa, je sens que tu vas m'insulter dans tout le monde quand tu feras le montage, tu feras. Mais elle tremble trop. Je m'en fous. Ou alors tu diras, elle a branché, elle a pas allumé. Non, c'est pas. Il y a le point. Je m'en fous si tu trembles, c'est les viewers après, c'est pas grave. Ben, ces viewers, ils vont insulter le caméraman. Là. Et puis. Trop bien. Bon, je lui fais les bisous de votre part, vous m'en voulez je pas. Je peux demander une dernière chose. Je mets sur la dédicace des bisous de ma part et de la communauté. Que ça vous va. J'ai un ami en France qui fait. J'ai un ami en France qui fait aussi des fanarts sur aventure. Et il a jamais. Tu veux dire qu'il y a des amis en dehors de nous Allez, salut. Casse-toi. C'est un fan artiste aussi, il n'a jamais eu l'occasion de vous voir, je pouvais demander si vous aviez l'occasion de le signer. Ah, je l'ai vu tourner celui-là, mais je crois qu'il est sur les lives en plus, je crois que j'ai mis. Oui, je l'ai vu sur le... Le vrai visage de Bob. Oui, j'ai un il a jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Je voulais vous demander si je pouvais vous le faire signer. Comment il s'appelle Lucas, sans S. Il faut mettre Lucas avec un S, mais barrer le S avec un point. Comme... Il va adorer. Non, c'est bon, laissez que. Ouais, écoute. Je crois que tout le monde va se tromper de toute façon. Ouais. Mais j'ai beaucoup trop de choses. Je reçois beaucoup trop de choses. T'as assez de place dans ton sac. Arrête. Merci. Non, ils ont tous des moi. Je suis gâtée. Je suis trop gâtée. Vous m'avez caché derrière la caméra. Non, il est en conférence. Et montre, regarde ça. Il nous rejoint plus tard. Ils ont tous magnifique. Lucas pour Lucas en fait, exprès parce que je sens que ça s'énerve derrière parce que je prends tout le temps. Mais d'habitude, c'est vrai qu'on se met au milieu avec Maya. Je suis tellement en train de. Non, ça permet d'avoir toute l'accessibilité à chaque fois. Je monopolise le temps des gens. Mais si tu veux en choisir un, de quoi ? Une célébrité. Tu choisirais qui, Seb ou Fred ? Je te choisis toi. Oh. C'est tellement bien. Il y en a, faut arrêter là. J'ai entendu. Voilà. Il va falloir marquer plusieurs messages à plusieurs endroits et tout. Et je suis gâtée, je suis beaucoup trop gâtée. Je demandais juste une petite dédicace dans ma BD. On fait je ne sais combien d'affiches. J'ai même la signature d'Eden. À vous. Oui, tu le mets un tampon sur la patte comme ça. Oh, mais c'est une idée géniale. Je ne pas arriver à dessiner des pattes, un petit tampon de patte d'Eden. En plus, sur le nez, ça veut rien dire. Alors oui. Vas-y, ça fait plaisir. Oui. C'est un accent grave, c'est dans quel sens? C'est un accent grave. Voilà. À l'envers. C'est ça. Ouais, c'est le petit détail qui tue, mais c'est pas grave. C'est un truc, c'est un service. Bonjour, je suis le machin de compagnie. Tu verras la caméra, écoute le mouette, parce qu'il faut bien. Fais des couettes, tu imagines. Voilà. Donc, ça c'est la caméra. C'est toute ma bande. Je monopolise la place. Les cheveux sont propres. Contrairement à l'habitude. Ah, mais voyez. J'ai l'image de marque à respecter. Seb, ce viking poilu barbu. C'est trop mignon. Tout se passe bien? Ça se passe bien, oui. Alors, cette polymanga? Bah, c'est génial. Et vous, cette polymanga? C'est fabuleux. Le jour de notre vie, j'ai pleuré ce matin, mais là, vous ne le voyez pas, j'essaye de garder un petit peu le contrôle. Oh, voilà. C'est pas mignon. Alors. Moi j'ai pleuré de rire parce qu'il pleurait. Moi c'est le 6. Parce qu'il mettait des coups de pied à la base d'ailleurs. C'est ça. Mais c'est l'amitié à trois. Si ça, je me fais faire des couettes. Kawaii. Ah bah tenez, kawaii. Il y a des grelots en plus. Voilà, ça te prend chocolat tête maintenant.
C'est ça parce que les cheveux derrière, donc j'essaie de lancer un nouveau mouvement en fait, le kawaii metal. Donc il y a baby metal qui existe déjà. Moi je serais la branche française. Regarde. Donc j'ai commencé à faire des reprises, un album. Ah bah il y a Bob qui est là. Je prends du canon, bien, pas mieux. Voilà. C'est vrai que c'est mentalisé. Bientôt, ce sera du Hatsune Miku. Sur une VOD. Oui, il y aura une VOD. Il y aura un fanart. Oh, c'est comme une deuxième peau. Ça fait partie de moi, une révélation. C'est la transformation. C'est ça. Est-ce que c'est pratique pour tout ce que tu fais avec tes mains? Je me transforme en Eden sur tous les prochains salons. Eden, depuis le début, c'était Seb. C'était la lacune. La lacune. La lacune. C'est donc pour ça que j'aime beaucoup Eden. C'est tellement mignon. Moi, je prends des photos comme ça. Cette chose va devenir en commotion comme ça. Oui, c'est clair. Je me sens très très bien. C'est pour Lucas. J'aimerais te demander un ami. Lucas sans S. Sans problème. Notre cher Lulu. Pendant ce temps, tu peux nous le refaire le bop bop. Bonjour. Oui. Voilà. Alors, avez-vous quelque chose à dire? Avec cette tenue, c'est pas ils sont alors, sales. Je me suis découvert une passion pour les soirées. Donc appelez-moi Neko Seb maintenant. Après, je vais les laver. Non. Ok, j'ai des puces, mais ça va. Ah, c'est que des puces, ça c'est va. C'est que alors. Des puces, voilà. Ça part avec un shampoing. Quel prénom est-ce que moi? Bob. Besto Lulu. Besto Lulu, oui. Elsa. Alors Elsa. Déjà. Alors toi tu vas te prendre tous les câlins. En fait garde je voulais qu'elle soit rouge et pas l'air. Tu filmes, t'apprécies. C'est ma caméraman de la. Dis-moi si j'ai pas l'air trop ridicule. Un petit peu quand même, mais bon. Un poil. Ouais. Juste ce qu'il faut. Oui. Juste ce qu'il faut pour séduire. Ah oui, comme l'année passée. Oh! 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 J'en profite, hein, moi-même je me sauce. Une BD d'aventure de qualité. Oh oui, la BD d'aventure qu'elle a fait. Elle sent encore son parfum. C'est comme ça qu'elle aura une de désir, le bonheur. Et pour combien de milliards de dollars ça s'achète? C'est gratuit pour toi. C'est gratuit pour moi et pour les autres. Il faut mettre en avant le produit. Bah oui, évidemment. Hein. Il y a un petit dessin. Je m'en avoue la qualité. Il y a un petit dessin sous le carton. Quoi. Le poids de l'échec, messieurs. Ce n'est pas un échec critique. Vous nous l'appelez. Merci infiniment. Du coup, il va falloir que je dédicace le bordel. David, tu es filmé? Alors, argent par contre. Outre ce cadeau délicieux d'une délicieuse dame tout à fait délicieuse et non moins délicieuse. Délicieusement. Et là, putain, j'ai faim. Tu veux des biscuits? Alors, il existe à vendre, et même pour ceux qui sont dans le fond, des posters délicieux à 10 dollars. 10 euros, 10 francs. Il a déjà fait le placement de produit, ça. Mais non, parce que tu t'es trompé, parce que comme d'habitude, Fred a mal compris. Et du coup, il y a un détail qui fait que les revenus intégraux, je prends pas des revenus. Intégraux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'en prends pas.
Pour l'intégralité des revenus. L'intégralité des revenus des goodies Bob, hein, en l'occurrence, reviennent à ma sœur et une partie des revenus des goodies reviennent à Florent Gorge pour les goodies de GDG. Enfin, ça revient pas à la. Et une partie revient à sa sœur aussi. Bref, du coup, c'est la juiverie mafia. J'école, mais l'absolu. Non, absolument. N'hésitez pas, dans tous les cas, pour ceux qui ont des sous et qui veulent des choses, que je signe, parce que bien évidemment, je signe tout, évidemment. Tout. Évidemment, tout. Je signe tout. Et là, il est déjà en train de faire tout. Seulement si t'es majeur selon les lois de ton pays. Mais... La vache russe. Y'a pas de loi. Du coup, il existe des posters d'une grande qualité. Montre que t'es rouge. Valeur nominale de 10 dollars. C'est 10 pépettes, 10 francs. Si vous payez en euros, vous y perdez. Si vous payez en francs suisses, vous y gagnez. Je crois que 1 franc suisse, c'est 0,98 euros. What? Ah, Donc si vous achetez à 1 euro, vous me donnez 2 centimes extra. Oh. C'est pas très important. Disons que si votre économie. Allez avec ton super Nathan. Il existe aussi des pins qualitatifs signés Lennon à 5 dollars. Non, c'est juste qu'il veut faire. Il veut juste faire une photo. Il existe des petits. À 3 dollars. C'est des petits badges. Pour moins cher. Ah, mais j'ai oublié celui-là, il est délicieux. Lui, c'est pas de badges. J'aimerais bien que vous fassiez passer ça à tout le monde comme ça. Que vous fassiez passer ça à tout le monde. Les pattes de chat avec ou sans. D'une valeur nominative. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits main par non. Ma sœur. Non, c'est certainement pas. Mais parce qu'ils ont des prix suisses. C'est un mec sympa à la base. Oh. J'ai un jet de dé, on verra si ça marche. Du coup. De toute façon, t'es déjà allé à Non, moi je suis là. Je suis pas en train de faire une vidéo. Je travaille il y a 5 minutes parce qu'elle fait ça à la main, tout seul, sans chinois. Même pas. Sans aide de peuple et d'histoire. Le coût des matériaux et de valeur nominale d'environ 28 à 29 dollars, ça varie. Donc les vendre à 35, c'est pas des plus abusifs quand il passe 3 heures de temps. Mais c'est ici pour les dédicaces. 7 euros voilà, voilà. Est-ce qu'il y a là dans ce groupe des produits intéressants pour nous peut-être. Eh bien, sortez votre argent. Bon, on se fait pas de tout de suite. Oui. Je pensais pas avoir. Regarde, on a quelqu'un qui a surpris. L'argent des abonnés, non. Oui, avec la BD. Puis-je avoir mes oreilles? Rendez les oreilles à ma chat. Tiens, tes petites oreilles. Rendez les oreilles à ma chat. Ah, mais tu casses les couilles. Ouais, mais écoute, cette caméra, elle est passée à tout le monde. Alors, alors les enfants, vous vous mettez en bonne position. Elsa au milieu. Ah, les oreilles, c'est donc, alors. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Je peux voir la photo parce que là j'ai les deux. De toute façon, je vais tout poster sur Twitter. Sur Snapchat. C'est sublime. Non, ça va. Ça va. Ça va. Maman, on demande un élève, mais c'est pas grave. Tout va bien. Bob. Voilà ma puce. Merci beaucoup. C'est bien impeccable. Bon, j'arrive. D'accord. Bon, je pense que je vais y aller. Je vais chier le public là. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, je vais Attends, c'est moi, je pensais à me lancer un peu plus dans la bande dessinée. Et puis surtout à percer. Après quoi? Après quoi? Maintenant, je vais faire quelques centaines d'années. Oui, moi, je vais faire quelques centaines d'années. Donc ça va bien pour nous. Le banc numéro 3. C'est exactement ça. Justement, Mouton Noir, c'est le nom du groupe. Alors le problème, quand il y a plein de personnes qui passent comme ça et que je mets une petite phrase, et ben, s'ils sont 5, il faut mettre 5 petites phrases différentes. Voilà. Donc c'est compliqué, moi je sais plus ce que j'ai écrit. J'ai beaucoup de choses à côté. Une serre de mes
message sympa. Est-ce que j'ai dit ça? J'avais pas ce matin. C'est du vrai sang. Qui a fait ça? Je suis sûr à faire la série. Un petit bon courage à la web série. Voilà. C'est lui. Il y a des caméras partout. Oui. C'est pour Elwenza, ça en vaut la peine. C'est vrai. Ça fait une deuxième VOD comme ça. Parce que j'étais tout seul à gérer l'émission. Allez. Bon. Les trois. Le noir. Rapproche-toi un peu. Je suis... Ouais. Oh. 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 Oh.